Je suis dans le confessionnal. Franchement les gars, on passe d'un dîner presque parfait à un dîner presque mauvais hein. Ils savent que critiquer, critiquer, critiquer. Hi guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cuisine. Enfin, pas vraiment cuisine, mais plus pour judge les cuisiniers. Bonjour. Je me suis déplacé, mais je te cherche à droite. Hé hey, chérie, t'es pas content, tu te dégages ici. Comment que... tu fais Times Square alors? Tu fais chier. Bah oui, à Times Square, c'est toujours mieux. Ouais, mais bah moi, alors. Et bah touche pas alors, si t'as un problème, touche pas. Ferme ta gueule, laisse-moi parler. Ferme ta gueule. On peut plus causer dans cette maison. Ouais, tu as rien causé du tout avec moi. Je me suis déplacé, j'ai fait 30 minutes de trajet. Mais c'est trop mal, 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 vidéo. En fait, on va faire un top chef, non, ça s'appelle comment? Un dîner presque parfait, si vous voulez. En fait, Maïssa va nous faire à manger. Donc là, elle est en train de nous faire à manger, regardez. Elle nous a fait... pas du plaisir à le faire, regardez là. Okay. Zéro plaisir. Yes. Oh, non, mais ça, c'est vrai, t'as pas de plaisir. Il y a du plaisir ou pas? Il y a un individu qui s'est aîné parce que... Il y a du plaisir ou pas? Non, quand tu vas manger, t'as le plaisir. Bah, on va noter l'humeur de notre hôte. Hein. Mm-hmm. Ah, je m'en fous, il me donne un zéro, je m'en fous. Ta gueule. Donc là, mais ça nous a fait de la chourba. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un plat berbère ou algérien ou je ne sais pas. J'ai commenté, elle me dit, qu'est-ce qu'elle dit, c'est marocain. Je crois pas que ça soit marocain, c'est algérien, mais doute que ça soit berbère. Après, parce qu'en général, au Maroc, ils mangent plus la harira. Mais voilà, comme Maïssa, elle mange la harira, mais nous, c'est vrai qu'on préfère la chourba. Donc voilà, chourba, très très bon, on va noter ça plus tard. Et Maïssa nous réserve des surprises, parce qu'elle nous a fait d'autres plats qu'on va découvrir bah, du coup après. Pas de français. Tu fermes ta gueule. Bah non, la pomme de terre, c'est quoi ça? C'est l'aubergine ça. Oui, mais tu vas faire quoi avec de l'aubergine? Bah oui, c'est Batmijel. Oui. Aubergine. Bah voilà, arrête de faire le français là, l'aubergine. Tu vas faire quoi avec Maïssa? Bah on la met dans le full, tu sais, toutes les fois que tu me dans le full. Quoi? Pourquoi tu vas le mettre dans le full? Toi, c'est pas ton problème, c'est pas je suis choquée. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme Maïssa, t'es une vraie cuisinière. Hein. Elle était pas contente, elle m'a dit vas-y, Dina, elle me saoule. C'est vrai, tu sais, tu as invité des Yannick, c'est vrai, elle a dit ça. Je suis arrivé, j'ai dit à Maïssa, tu savais pour la vidéo de Nina, elle m'a dit ouais, je fais à manger tout ça. Et je lui ai dit, t'as fait quoi? Elle m'a dit, j'ai fait ça. Il est rentré, j'ai même pas un peu calculé le son. Aïe, aïe. Wesh, voilà. Je lui ai dit. T'es rentré, t'es parti faire caca. T'as vidé ton ventre. Au nom d'Allah. Je suis à Dakar. J'ai chié pas plus tard. Elle fait souvent des recettes de bouffe. Et hier, elle a fait un gratin dauphinois. Bravo, Maïssa. Non, j'ai vu dans la story quoi du coup. C'est pas de ma faute, Chicken King hier, j'étais là, j'ai vu. C'est vrai. Tu mens à tes abonnés. C'est Chicken King. C'est même pas le mien. Oh, t'inquiète. Au nom d'Allah, c'est pas le mien, c'était avant-hier ça. Ah ouais. Revois tes dates, chérie. Voilà. Bref, là maintenant, Yannick, il fait le malin. Il parle, il ouvre sa bouche. Regardez mes enfants, ils sont magnifiques. Suivez-moi sur. Et allez sur Instagram, dans mes stories à la une. J'ai plein de manicures, etc. Inspire de tout ce que je fais. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est hyper important. Bref, je disais, Yannick, il fait le malin, etc. Mais il sait pas qu'on va tous y passer. Moi aussi, je vais faire à manger. Et toi aussi, tu vas faire à manger. Et on va te noter. Okay. Restez connectés dans les prochaines vidéos. Ça sera lui qui va faire à manger. Non! Pour faire de la béchamel. Vas-y, bouge là. Ah, tu me le beurre, écoute, vas-y. C'est ça ton inspiration? Eh, voilà, vas-y, à quoi? Vas-y, frère, voilà, mais où est-ce que ça? Attention, ça oui, pitié. La béchamel. Pour faire de la béchamel, il nous faut du beurre, de la farine, du lait, des épices, poivre noir avec de la muscade et des crevettes. Voilà. Ça, c'est pour la béchamel crevette, hein. Tout dans la maîtrise guette. Et allez, tournicotis. Pourquoi Zahma t'as le seum contre moi? Bah si, on dirait que t'es énervé. Alors mais ça avance là. Mais ça va être prêt demain, wallah. Donc là, on passe
Aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses. Ah ouais, Meïssa, tu passes vraiment aux choses sérieuses. Hein. Ouais. Avec de la bonne humeur, Meïssa. Et le Meïssa, sourire. Sourit un peu. La bonne humeur et le sourire. Tu sais, bonne humeur avec des gens comme vous. T'as quel âge? Comme moi. En fait, on a faim. Comme moi. Oui, comme toi, t'en fais partie en fait. T'as quel âge? T'as quel âge? Meïssa, t'as quel âge? En fait, non, on a faim. Nina, je te fais à manger et toi, tu le vois encore plus. Meïssa, t'as quel âge? T'as quel âge? Sérieusement. À force de pas sourire comme ça, t'auras des rides à 20 ans. Non, je te jure. C'est le contraire. Regarde, Nina. Meïssa a enfin fini de nous faire à manger. Là, du coup, on va commencer par noter la chourba. Donc, qui va donner des notes? Moi. Et monsieur Yannick. Zéro. Zéro. Ouais, et papa, s'il veut, il peut noter aussi, papa, la chourba. Mais papa, il veut donner une note. Papa, donne une note à Meïssa pour sa chourba. 10 sur 10. Ah ouais, papa, normal. Carrément, 10 sur 10. Parfait. Les vrais gens. C'est surtout ta jalousie qui va plus parler. Hein. Mais c'est pas la jalousie, c'est juste de reconnaître le bon goût des choses. Bref, là on va manger. T'as même pas de couvert. Moi j'en ai un. Mais elle pense qu'à toi, elle pense pas à lui. Bref, elle nous a fait aussi du pentagine, aka de la galette kabyle. J'aime trop, c'est hyper bon. Et franchement, celle de Meïssa, elle est très bonne. On va la goûter. Mmh. Yannick, qu'est-ce que t'en penses du pentagine? Un peu trop épais. Ah oui. On sent toujours un petit peu le goût de la semoule, j'ai l'impression. Ben non, ben tu vas la fermer parce que tu juges pour rien. Mais oh, il a le droit. Ben non, il a pas le droit. Mais ça, t'inquiète pas, lui aussi quand il va nous faire un manger, tu vas juger. Toi aussi, tu vas juger quand il va nous faire un manger. Tu sais pas faire un manger. Non, Nina, c'est un dîner presque parfait. Regarde la table déjà, comment elle est. Elle mérite un zéro. Pour Nina de base, j'ai pas fait pour toi. Désolée, ma chérie, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Annie, tu participes à la vidéo. Oui, elle t'a appelé, mais moi, de base, j'ai fait à Nina. Bref, papa, est-ce que tu veux noter le arlontagine? Tu donnes combien? Combien? 10 sur 10. Encore, papa? Non, il n'y a pas trop de sel. Il n'y a pas trop de sel. Voilà, il n'y a pas trop de sel. Il est excellent. Il a dit, il est extra. Soit tu sais pas faire à manger, soit t'as un problème de goût. Hein. Là, il récupère le riz. Tu parles à moi, Meïssa? Oui, je parle à toi. J'ai le droit de dire les défauts. Il est excellent. Tu n'as jamais fait un peu de sel. Merci, papa. On avait ça de la jalousie. Nina. Une critique, c'est censé t'aider à t'améliorer la prochaine fois. Je m'améliore pas. T'as quand même crève, Aya. Soit t'acceptes de manger comme ça, soit tu manges pas. Ouais, vas-y, papa. Ouais, les doigts accrochés. T'as bien aimé? Ouais, c'est chaud. Ah ouais. Mieux derniers. Que celui de maman? Ah. Il a fait. Ah. Il veut pas. Il veut... Sa femme, c'est en premier. Voilà. Ta femme en premier, papa. Ouais, après, mais ça. Pour l'instant, il coûte de la pâte, mais attends. Une jolie apparence. On sent la crevette. Pas mal. 7 sur 10. 7 sur 10. Mmh. Ça te va, Meïssa, comme note, c'est bien, non? J'écoute pas les gens. Mais Meïssa, c'est un dîner presque parfait, t'es obligée de... Non, voilà, c'est écrit où obligation de truc. T'as rien donné de truc, je vous ai fait à manger et fermer. Mais Ganila, j'ai une requête. C'est quoi ta requête? La prochaine fois, on évite d'inviter les gens un peu grinchons, hein, qui se donnent pas à fond pour les vidéos comme ça. Hein. Grincheux. Bah. Ah, par contre, le boulek il est excellent, Meïssa. Le boulek il est excellent. Oh, 10 sur 10, Meïssa, 10 sur 10. Mashallah. Par contre, il fait le feu, manque de sel. Mais on peut pas mettre de sel, mon goût, parce qu'on va aller. Oh. Mais maman, elle fait du feu, elle fait comme ça. Elle fait jamais, arrête de mentir. Oh. 10 sur 10, le boulek Meïssa, il est incroyable avec crevettes, béchamel. Waouh. Merci. Mashallah. De base, Yannick, je l'ai invité parce que je voulais un deuxième avis. Là, je mange Ifulfun de Meïssa. Meïssa nous fait la tête parce qu'elle aime pas nos critiques. Moi, j'aimerais changer ma note du bourrec. Je passe de 7 à 8. Pourquoi tu t'es senti mal? Parce que sinon, elle va prendre 2 semaines. Si ça vous va, vous mangez comme ça. Si ça vous va pas, vous rajoutez. C'est tout simple. Pourquoi c'est pour vivre? Marie dit une dictus. 45 ans, maman, il fait ici de l'année en semaine. Ifulfun là, c'est un des pires que j'ai pu goûter de ma vie. Écoute pas les jaloux. La jalousie. Merci papa. Bref, ne coûte pas les jaloux. Mais un des pires que j'ai pu goûter de ma vie, ma parce que quand je mange, bonne. C'est. Ma bouffe elle est trop bonne. Bah t'as qu'à te lever et le faire chauffer. Mais moi je fais le 29. Je m'en fous. Mais ça le 29 tu vas le juger, t'inquiète pas. Mais je dis je viens pas. Bref, ils aiment trop juger, or que ma bouffe elle est très très bonne. Ils sont tous des jaloux. Venez. Le pire. Je vais vous faire gagner des briques même si vous voulez.
Venez si en tu vas en resto, tu fais faillite. Mais marre des hypocrites. En fait, c'est ça son problème. Pas ta gueule. Tu n'as pas à critiquer. Hey, elle va arrêter de me parler parce que j'ai dit que son fait le feu. Je m'en fous. Et alors, je te fais déjà à manger, c'est beaucoup. Soucem, tu trouves quelqu'un, il te fait à manger et t'oses ouvrir ta bouche. Ça veut dire, ouais, ça va être l'audace. Mais je sais quand l'audace, c'est ça. On a un mode de quelle race tu es. Mais ça, c'est normal, c'est une vidéo juste. Ce n'est pas normal. Déjà, je vous fais à manger, c'est beaucoup. Oui, voilà, mais ça s'appelle un dîner presque parfait. Il y a rien de dîner presque parfait. T'es pas sur double. Mais là, c'est un dîner presque pas parfait. T'es chat. Regardez. Arrête de toucher. Passe la caméra. Ah, ça, laisse-moi. Hey, attends. Pas à toucher la caméra. Bref. Nina, il est où le parfait dans cette table? C'est déjà nous. Mais en fait, je sais pas qui t'a dit on va faire un dîner presque parfait. Bah Nina! Vous êtes venu chez moi, j'étais gentille, je vous ai fait à manger. Chez moi? T'es pas chez toi, ça fait une semaine que tu dors pas ici, donc ce n'est pas chez mais toi. Mais c'est quand même chez moi. Je suis dans le confessionnal. Carrément, je dois aller m'acheter ma canette parce qu'ici il y avait rien. Et ça va baisser le son pour que vous m'entendez en fait. Je crois que je suis bête. Franchement, c'était hyper bon. Franchement, les gars, on passe d'un dîner presque parfait à un dîner presque mauvais. Hein. Ils savent que critiquer. Un truc qui m'a. Les briques là, le bourrec, c'était bon. C'était pas trop lourd, c'était pas trop léger, c'était parfait. Les briques, elles étaient graves, mais super méga bonnes déjà. Tu vois, je lui mets un petit. Je dirais un petit 8 sur 10, tu vois. Le bourrec, 10 sur 10. Franchement, j'ai adoré. La chourba, il manquait de sel. C'était un petit peu dur à digérer, tu vois ce que je veux dire. Yannick, il ouvre sa bouche. Il manque du sel ici, il manque du sel là, il manquait rien du tout. La chourba, franchement, hyper bonne. Après, fallait ajouter du sel, c'est vrai. Ça veut même pas faire à manger. La chourba, ça se mange comme ça. Et le feulfeul, je vais pas vous mentir, entre nous, c'est un des pires que j'ai pu goûter. Hein. Entre nous, après. J'avoue, le feulfeul, donc les poivrons là, c'est le pire que j'ai jamais mangé de ma vie. Le feulfeul, je pouvais pas mettre de sel. Parce que c'est à eux de le mettre. Toi aussi t'es en train de dire que c'était de la merde. Bref, comme ils connaissent rien du tout, je vais les laisser parler. Parce que c'est que des jaloux. Le pain tagine, c'était... En fait c'était trop épais. Et il y avait encore beaucoup trop le goût de la semoule, tu vois. Le pain tagine, franchement j'ai adoré. Manquait juste un tout petit peu de sel. Mais sinon c'était délicieux, il était parfait, il était bien fait. Je fais comme ma mère elle fait et comme ma grand-mère. Et c'est pas à eux de venir me dire... Tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Bref, anyway. Elle a rien respecté, en plus elle est de mauvaise humeur. Sa mauvaise humeur nous a gâché la bouffe, si je veux dire. Elle nous a pas raconté de blagues, rien du tout. Franchement, bravo Meïssa. C'est que des jaloux. Et moi je vais laisser les jaloux parler parce que j'en ai connu des jaloux dans ma vie. Hein. Déçu de la part de Meïssa, je lui mettrai un 2 sur 10. Un 2 sur 10 parce que les briques étaient bonnes. Si je dois lui donner une note globale, je dirais 8 sur 10. 8 sur 10 ? Quand toi tu as donné combien ? 2 ? C'est vrai. Ils ont tout mangé. Bref, ils savent que parler de leur mauvais avis parce qu'ils ne savent pas faire à manger. Moi, je sais faire à manger. Et voilà. Tout ce que j'ai à dire. Merci. Elle, quand elle vient avec son toutou, on a faim, nous. Déjà, je me lève pour toi. Je te fais à manger. Déjà, c'est beaucoup. Parce que elle est moins bête. Menteuse. Menteuse. On monte à la tête, dit ça. Allez, enfin, maintenant j'ai fini parce qu'ils savent même pas ça veut dire quoi confession intime. Allez. Merci Maïssa pour la bouffe. J'ai pas besoin de remerciement. Mais c'était immangeable. C'était naze. C'était immangeable, t'as tout mangé. Et dis Wallah. Tu as tout mangé. Wallah, tu as tout mangé. J'ai tout mangé. Ça merde. J'ai tout mangé quoi? Ta gueule. Eh, ça chourba, indigérable. Feulfeul, c'était de la pierre. Le pain tagine, je sais pas c'était quoi, c'était tout sauf du tagine. Le bourrec, c'était bon. Je suis d'accord. Quand c'est bon, faut le dire. Mais quand c'est nul. C'est nul. Bref les gars, c'était je maintiens la position de presque imparfait avec Meïssa. Rendez-vous bientôt pour celui de Yannick.